Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Call of Duty Black Ops 3. Donc aujourd'hui ce sera une vidéo paint shop comme d'habitude. Donc ce sera un peu mon deuxième paint shop. Donc aujourd'hui ce sera le camouflage Blue Cyborg. Donc un camouflage franchement qui rend super bien. Donc avec un fond noir et en fait un cyborg dégradé. C'est-à-dire bleu ciel et bleu foncé qui déchire. Franchement c'est ultra beau. Franchement j'ai kiffé dessus. Donc voilà, donc c'est pour ça que je vous le présente aujourd'hui en vidéo. Donc c'était pour en fait pour aborder aussi un autre sujet, c'était pour vous informer que j'allais bientôt passer en facecam, d'accord. Donc si je vois que ça continue, j'ai fait 1000 vues après sur la première vidéo de Paint Shop, la matière noire 115 militarisée, sur le tuto Paint Shop, donc allez la voir si vous l'avez pas encore vue. Et donc aujourd'hui je pense que si je récupère encore quelques abonnés, donc je pense qu'arriver à 100 abonnés, 200 abonnés, je pense que je vais commencer les facecam. Donc déjà je l'ai, et les live stream aussi, ouais live stream, et aussi les live comment on dit déjà, live commentary, voilà c'est ça que je veux dire, pas live stream, live commentary. Donc je vais bientôt commencer en fait à m'appliquer en fait de plus en plus sur YouTube quoi, parce que au début c'était des petites vidéos simples parce que j'avais pas d'abonnés, pas de vues. Là je commence à faire 1000 vues, j'approche bientôt des 50 abonnés, donc ça commence à monter quoi. Donc moi aussi il faut que je monte la qualité de mes vidéos, que j'achète un AverMedia, parce que pour l'instant c'est sur Share Factory, parce que j'ai pas encore assez beaucoup d'abonnés quoi, je vais pas faire des vidéos comme Gotaga pour avoir 3 vues, on est d'accord. Mais si je vois que ça, je commence à gagner des vues, des abonnés, et voilà quoi. Et je vois que les vidéos en fait elles vous plaisent, bah ça me dérange pas, c'est ma passion quoi, j'aime bien YouTube, donc ça me dérange pas en fait de m'appliquer, j'ai une caméra chez moi mais je l'utilise pas parce que je fais pas encore de facecam. J'ai l'ordinateur, il ne manquerait plus que l'HDPVR ou la Vermedia ou l'Elgato selon ce que je veux en fait. Parce que moi en fait j'adore tout ce qui est informatique, vidéo, montage, film, tout ça, je kiffe. Et voilà, je suis pas non plus épanoui. Share Factory, c'est un peu, on va pas se mentir, c'est un peu de la merde. C'est, tu mets 3 vidéos les unes après les autres, t'appuies croix, ajouter commentary et tu parles. Ils ont mis une nouvelle fonction où on peut avoir le facecam. Donc mon premier facecam ce sera avec la caméra que je vais incessamment acheter. D'accord. Donc mon premier facecam, je suis pressé d'ailleurs. Donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez vraiment un facecam ou si vous voulez pas. D'accord. Si vous voulez pas, c'est comme vous voulez quoi. Donc c'est pas ça moi surtout que je voulais dire. Mon sujet principal c'était la facecam. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Et aussi des live streams. Les live streams, je vais m'y mettre peut-être dans 2-3, ouais, peut-être à la rentrée, on va dire. On va dire pour la rentrée, normalement, je ferai quelques live streams sur Twitch. Donc, je ferai du Call of Duty, du Zombie, du Destiny, à peu près tous les jeux. Et donc, en fait, j'ai acheté Destiny, le roi des corrompus, à sa sortie. Et j'ai fait une vidéo dessus, mais en fait, elle a pas été mise sur YouTube parce que je l'ai pas uploadé. J'ai rec, mais je l'ai pas uploadé quoi, je me suis pas occupé de la vidéo parce que j'ai pas accroché Destiny. Mais si ça vous intéresse, je peux faire un gameplay sur Destiny, le roi des corrompus, sur les jeux PlayStation Plus aussi, je pense que je vais mettre surtout à ça. Les jeux PlayStation Plus, parce que franchement, en ce moment, il y en a des super bien. Il y a eu NBA 2K16, il y a eu, comment il s'appelle, un jeu, je sais plus c'est quoi le jeu, parce que j'y ai pas encore joué en fait, il est en train de se télécharger. Mais le jeu de ce mois-ci, c'est... Saint of Arrow, un truc comme ça, en gros un jeu. Il a l'air franchement, rien quand j'ai vu le nom du jeu déjà, ça avait l'air d'être kiffant. Après je vois tous mes amis de PlayStation, ils l'ont tous fini. Pour finir un jeu gratuit de PlayStation Plus, c'est vraiment qu'il était bien. Donc je pense que je vais faire une vidéo dessus. Et je pense me mettre aux vidéos en fait où je ferai tous les mois une vidéo sur, où je ferai les vidéos du PlayStation Plus justement. Et une vidéo, regardez, une vidéo par mois de Paint Shop, une vidéo par mois, donc une deuxième vidéo du jeu de PlayStation Plus, une troisième vidéo sur un jeu quelconque, c'est-à-dire si je trouve par exemple j'achète le nouveau FIFA, et une quatrième vidéo information qui sera pas tous les mois, ce sera quand il y en aura. Par exemple là, j'ai entendu par exemple les DLC comme tout le monde, donc là par exemple je vais faire une vidéo information du DLC, d'accord. Par exemple, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a quoi d'autre en ce moment? Il y a une rumeur qui court comme quoi le pistolet laser il pourrait faire son apparition en multijoueur.
D'accord? Et les informations, des milliers d'informations sur Infinite Warfare et Code 4 remasterisé, d'accord? Donc voilà, il y a plein d'informations à faire ce mois-ci. Donc je pense que je vais faire un petit mélange, un petit concentré de tout, d'accord? Donc ensuite, voilà. Donc, ah oui, j'oubliais. Dans cette couche-là, en fait, je vais oublier, mais je vais le mettre à la fin. Mais pour pas que vous oubliez, vous, il faudra commencer par une couche carrée noire. Une grande, comme j'ai fait sur la face, mais en fait, je l'ai pas fait. C'est pour ça, là, pour l'instant, vous verrez pas. Et de toute façon, ça se voit pas bien sur le haut. Mais là, vous voyez quasiment rien, en fait. Vous voyez que le bleu foncé, parce que j'ai pas mis la couche noire derrière. Donc voilà, donc c'est tout pour moi. Ça fait 5 minutes de vidéo. Donc bah, je vais m'arrêter là, le commentaire, je vais vous laisser. Il n'y aura pas de musique, j'en suis désolé parce que je mets pas de musique à cause des copyrights et tout, et j'ai pas trouvé encore de playlist gratuite. Donc d'ici là, moi je vous laisse. D'ici là, restez, likez, commentez, partagez la vidéo. Que des bonnes choses. Allez, ciao, bye bye tout le monde.